Kouaba chez nous ici, ça veut dire bonne arrivée. Ici, c'est la canne de l'hospitalité. Bon, les Marocains, même, ils ne sont pas à l'étranger ici parce que ici même, c'est leur pays. Nous, on les soutient jusqu'au bout. Vive le Maroc, vive la Coupe d'Afrique. Et nous sommes ensemble. Le Maroc, c'est une grande nation de football africaine. Hein. C'est un grand favori aussi. Ah, je suis très content de recevoir l'équipe nationale du Maroc à San Pedro. J'ai cherché à voir ce pays de football depuis fort longtemps dans mon pays. Plus précisément à Sofia ici. Je suis trop content. Après le joyeux parcours à la Coupe du Monde, jusqu'ils sont allés en demi-finale, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous sommes là juste parce que nous avons eu l'information qu'il y a l'équipe du Maroc qui est juste logée à Sofia. Donc nous avons décidé de passer dans l'espoir de voir au moins le bus marocain parce que ouais, c'est une équipe vraiment, vraiment exceptionnelle. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir l'équipe du Maroc. Précisément l'hôtel du Sofia ici, qui est l'un des hôtels les plus renommés de la ville de San Pedro. Concernant l'équipe du Maroc, bon, nous savons que l'équipe du Maroc était demi-finaliste de la Coupe du Monde en passé. C'est vraiment une très grande nation de football et elle vient pour batailler dur, précisément à travers le premier match face à cette équipe tanzanienne.